For the optimistic cynic, I shit. Ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all wanna stick. I lickety split. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi écoutez, ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Une exclue, parce que tout simplement, déjà je suis pas tout seul, je suis avec lui. Voilà, tu dis bonjour la famille et tout, tu vois, c'est tes potes donc tu peux dire bonjour. Yo la famille. Voilà, parfait. Donc voilà, il vous a dit bonjour. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec le guide Clash of Clans. Enfin, je l'ai dans ses mains, je l'ai dans mes mains ce petit livre qu'a écrit Arsenic. Donc voilà, Arsenic, un youtubeur que je pense que vous connaissez tous. Un grand youtubeur, vraiment classe, qui fait vraiment des vidéos géniales. Et donc il a décidé de faire un livre tout simplement. Et donc moi je l'ai reçu et j'ai envie de vous faire une petite découverte. C'est vrai que j'ai un tout petit peu feuilleté le livre, mais je l'ai pas vraiment lu quoi. Donc j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie qu'on découvre ça ensemble tout simplement. Je vais pas tout vous présenter sur le livre parce que faut quand même que vous le voyez vous, et donc je vais juste vous présenter en gros les grandes lignes du livre, etc., comment ça se présente, etc. Déjà parce qu'en plus il est sympathique ce livre et donc il faudrait que vous l'achetiez vous, et puis en plus parce que si je vous présente tout ça va faire une vidéo de méga longtemps. Donc voilà, ça se dit pas du tout mais c'est pas grave, j'ai envie de commencer directement cette vidéo, c'est parti. Donc avant de commencer déjà, le petit fil là, désolé je peux pas l'enlever, c'est simplement le fil de la webcam, c'est ce qui va permettre que vous voyez vous le livre quand je ferai comme ça. Voilà. Bon, on commence directement. Donc voilà, vous avez la petite couverture du livre normalement. J'espère que ça filme bien, je regarde là-bas. Ouais, ça a l'air bien filmé. Donc voilà, vous avez la petite couverture du livre avec marqué le guide Clash of Clans du joueur, des stratégies de défense, des astuces pour vos attaques et jouer avec les sorts. Voilà, ça c'est un petit peu comment il vous récapitule le livre. Donc voilà, si vous voulez voir ici, de la 400K, je crois que ça s'appelle, voilà, Culture Geek, l'édition. Et derrière on a la petite quatrième de couverture avec « Grâce à ce guide, devenez le champion de Clash of Clans, découvrez les bases du jeu et les principales notions de défense, apprenez à maîtriser les différents types d'attaques, dirigez votre clan d'une main de fer et foncez vers la victoire. » Voilà, donc c'est un petit livre que vous trouvez un petit peu partout, vous pouvez le trouver en librairie ou sur internet ou des choses comme ça, pour 7€, donc clairement ça vaut vraiment le coup. Et donc on va l'ouvrir directement, regardez, quand on ouvre ce livre, on a un petit sommaire ici, un petit sommaire avec les notions de base, où il vous dit « Ah, pfff !» Donc on va commencer directement. Quand on ouvre ce livre, on peut voir que sur les côtés on a un petit sommaire avec une espèce de... Enfin, c'est un petit peu un marque-page. Par exemple, si vous vous êtes rendu à cette page là, vous pouvez vraiment fermer comme ça, etc. Vous refermez votre livre, vous partez. Et donc au moins vous pouvez revenir sur cette page ici. Bref, voilà, ça tout le livre long quasiment maintenant. Donc voilà, ça c'est sympa avec le petit sommaire. Donc notion de base, la défense de village, les troupes d'attaque, le système de trophées des ligues, etc. Enfin, bref, il y a plein de petits trucs sympas. Là il vous récapitule en gros les chapitres du livre. Donc c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est un guide pour débutants à la base, donc il y a beaucoup de choses que tout le monde sait ici. Par exemple les notions de base, là il vous explique le tutoriel apparemment, ouais c'est ça. Après il vous explique voilà ici quels sont tous les bâtiments, etc. On a l'HDV, les mines d'or, les camps, les casernes noires, etc. Je vais pas m'attarder dessus parce que ça tout le monde le sait je pense. Et puis surtout je vais pas tout vous lire comme je vous l'ai dit. Donc ça a l'air quand même vraiment très bien fait, on peut voir qu'il y a des petits textes qui sont en rouge pour insister dessus quoi, des choses comme ça. Ensuite on a par exemple là la défense de village, ça a l'air sympa, c'est à dire comment construire sa base et placer ses bâtiments. Ouh, ça peut en aider plus d'un ça. En gros il va vous donner des conseils pour pouvoir bien faire votre base. Donc attendez, à ce que je vois à peu près en gros, ah ouais ça c'était dans une de ses vidéos ça. En gros il vous explique qu'il faut juste attendez, ben, ça doit être marqué là, juxtaposer vos structures défensives de cette manière, elles se couvriront les unes les autres, le but étant de créer un système comme le montre l'image ci-dessus. Ok, en gros là il va vous donner plein de petits conseils pour faire une base potable, une bonne base. En tout cas ça a l'air vraiment sympathique, ça me plaît beaucoup. Je pense que je vais me régaler à le dire ce petit truc. Ensuite il nous explique quoi, les bases farming apparemment, il y a marqué les différents types de bases, voilà c'est ça. Les bases de farming, il va y avoir les bases de rush et les bases de GDC je pense. Voilà, les bases hybrides, c'est le type de base le plus commun, c'est ça, exactement, c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, franchement, c'est vraiment sympa. Il faut savoir aussi qu'il y a eu la dernière mise à jour de... Enfin, c'est à l'intérieur de ça, donc en gros, je veux dire, tout ce qui est nouveau système de bouclier, etc., normalement, c'est expliqué aussi là-dedans. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, ça rajoute un plus. Donc là, on a les troupes d'attaque. Ah, il va nous présenter les troupes, sympa. Par exemple, pour les barbares, là, il nous explique, ok, cette unité a un faible coup, tac, 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 tac. Ok, il nous explique les cibles préférées, ok, et comment les utiliser, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment sympathique, j'aime beaucoup ces petites choses avec les flèches là, etc., ces petits designs. Je sais pas du tout si c'est lui qui l'a designé en entier, mais en tout cas c'est vraiment bien fait, vraiment sympathique. C'est vrai que je m'y connais pas trop en bouquin, mais celui-là franchement j'aime beaucoup.
Ok, les systèmes de trophées, pour ça, et là il va nous expliquer en gros qu'est-ce que c'est le système de trophées, de ligue, quand on perd des trophées, quand on en gagne, etc. Là on a quoi? On a les astuces, ok, des petites astuces, ça va être. Et les bases avec des nombres ronds ont tendance à indiquer, bref, ça me fait un petit peu. Ouais, franchement, c'est vraiment sympa. Regardez là, il vous explique quand une extracteur est plein, quand une mine est pleine, etc. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Il vous explique les trucs de farming, les zones, etc. C'est vraiment sympathique. Je vais essayer de pas trop vous spoiler. Je fais vraiment une découverte assez rapide de ce livre. En tout cas, moi j'aime beaucoup, vraiment. C'est vraiment énorme. Clairement, j'aime vraiment beaucoup. Bref. Je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin parce que sinon je vais vous raconter l'intégralité du livre et c'est pas du tout le but parce que le but c'est quand même que vous l'achetiez aussi pour que vous aussi vous puissiez le découvrir. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ok, attends, juste on va juste dire les remerciements. Donc l'écriture de ce livre m'a permis d'expérimenter une nouvelle voie d'expression autre que mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Ce n'est pas avec ce n'est c'est waouh c'est avec grand plaisir que je travaille sur ce projet en étroite collaboration avec 404 éditions. J'espère que cet ouvrage ne sera pas le premier. Ne sera que le premier d'une série à succès. Je tenais tout d'abord à remercier pour mon aide. Ok. Ouais, après il y avait aussi les hommages à Lola Salien, une fille qui était décédée au Bataclan, qui a participé à ce livre. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup beaucoup ces livres, c'est vraiment sympathique. Peut-être qu'il y aura d'autres éditions qui sait pour des prochaines mises à jour, mais en tout cas pour le moment c'est vraiment énorme. Donc si vous aussi vous avez aimé ce livre, ben, n'hésitez pas à poser un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Je vais vraiment essayer de faire un truc le plus pop possible au montage, je sais pas du tout comment ça va donner. Mais bon voilà, c'était Alex, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Achetez ce bouquin, ça me plaît vraiment beaucoup. Il y aura peut-être un petit lien, je sais pas, vers le bouquin, vers un lien Amazon dans la description. C'était Alex, je vous fais vraiment des très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo, même à partager à vos amis, à vos proches, etc. C'était Alex, et bye tout le monde.